monde. Bonjour à tous les amis, ici Noprima et bienvenue dans Car Dealership Tycoon. Et on va commencer tout de suite avec mon nouveau magasin de voitures, ma nouvelle concession. C'est parti. Donc attends, ça commence par quoi? Première étape, ouf, 3500. Ça claque cher, hein, j'avais pas énormément d'argent. Oui, en fait l'argent qui est offert au début c'est juste pour commencer le Tycoon. Oui non, c'est bon, j'ai plus d'argent, tu te calmes, j'ai déjà plus d'argent. Ah, on me propose de mettre ma première voiture. Vas-y. Quelle horreur, elle ressemble à rien. C'est complètement craqué. Vas-y, on va aller voir à quoi elle ressemble. Non, je veux pas dépenser des Robux là-dedans. À quoi elle ressemble, la voiture? Ah, mais ça rapporte de l'argent quand même, hein. Il y a toujours pas les murs, il y a rien du tout, mais bon. Qui veut acheter mon super monospace qui ressemble à rien et qui file la honte? Ça monte l'argent, ça monte. 300, 400, je vais aller voir ce que je peux acheter déjà avec ça. Bon, quasiment rien, mais c'est pas grave, vas-y, allez. 3000, ah non, 300 murs. Mur 1, vas-y, 300. Il me reste 200 d'argent, il faut 400. Ah, ça monte pas vite, hein, allez, hein. Va falloir que tu ramènes un peu plus d'argent à la voiture là. Hein. Bon, j'ai l'impression que je peux faire un petit tour en voiture quand même, on va essayer. Vas-y, conduire. Ça rapporte de l'argent la conduite? Mais le bruit! C'est pas une voiture, c'est un aspirateur. Oui, non, bah, c'est pas grave. Hop, ça rapporte combien? Oh, ça rapporte pas mal quand même. Achetez ma voiture qui vaut rien, achetez-la. Oh, j'ai déjà plus de 1000, oh, c'est pas mal. Ça va, on va tourner en rond comme ça et puis ça va nous faire de l'argent. Bon, c'est bon, j'ai pas mal économisé, je vais pouvoir me mettre une deuxième voiture quand même. On va mettre plateforme, vas-y. Deuxième voiture. Parfait. Non? Ça a pas marché? Allez, achète la plateforme. Voilà, parfait. Non, allez. Maintenant, on va se mettre une autre voiture. La voiture 2. Allez, chargement. Acheter des voitures. Bah oui, on va acheter une voiture. Alors, ça coûte. Celle-là, elle coûte 0. Il me reste. Ah, j'ai presque la. Je vais plutôt prendre celle-là parce qu'il manque pas grand-chose. Allez, on revient dans 2 secondes. Je vais encore faire l'andouille avec ma voiture dans le quartier, gagner de l'argent. Donnez-moi de l'argent à faire n'importe quoi. Moi, je veux bien. Allez, vas-y, vas-y. Allez. Oh, elle avance sur rien du tout, cette voiture. C'est pas une voiture. Ouah. Elle fonctionne à quoi? C'est pas possible. C'est un petit lutin qui pousse en dessous et qui en peut plus là parce que ça avance. Mais alors rien du tout. Oh là là, par contre la direction est atroce. Hein, allez hop, ça donne envie de vomir ça. Oh, je peux lui mettre un coup? Paf! Oh, ça a même pas bougé, je suis deg. Bon allez, c'est bon, j'ai de quoi m'acheter une autre voiture. 5800 là quand même. On va pouvoir s'acheter une voiture. Bah oui, t'en fais pas. Oui, la voiture 2. On va acheter. On achète. On achète la voiture, j'ai 5900. Allez, rapporte-moi un petit peu là que j'achète celle-là, carrément. Voilà, 6000. Vas-y, la Laga. Oui, on l'a fait charger, parfait. Elle va me rapporter combien? De 50 en 50 aussi? Je suis deg, je pensais que ça allait rapporter un peu plus. Attends, non, l'autre, elle rapporte combien? Elle rapporte combien, l'autre? 50 aussi? Allez, garder comme ça. Oh, mais à conduire, ça va rapporter un peu plus, attends. Alors... que je montre. Alors on va prendre celle-là, ouais, on va la conduire. Oh, le bruit. Le bruit. Le décollage de la fusée. Oh, le truc. 62? Elle rapporte moins? Non, ah, faut rouler plus vite. Plus tu roules vite et plus tu gagnes d'argent. Vas-y, on va la pousser au maximum. Mais le bruit. La centrale nucléaire qui est en train de s'effondrer. C'est pas possible. Le massacre. Si je fais du 75, je suis un vrai fou. Ouais, ça rapporte, hein, on est déjà à 3000. Elle va y arriver à monter le pont, elle va y arriver. Bon, allez, un demi-tour, je suis sûr que ça va. Ah, elle tourne moins bien. Hein. Allez, hop, j'éclate tout, moi, je casse ma voiture. Regardez ma voiture, elle est robuste, vous pouvez l'acheter sans problème. Et ma voiture, elle est partie sans moi. Reviens ici, ma voiture, elle s'est... Je suis tombé de la voiture, c'est complètement naze. Bon allez, je retourne à la concession. Bon allez, là, j'ai de quoi acheter quand même. Moi, je suis comme ça, hein. J'achète même pas l'extérieur, moi j'achète les voitures. La plateforme numéro 3, vas-y. 8000, ouh, ça claque. Bon alors, on va prendre quoi sur la numéro 3, chargement. Bon bah, j'ai combien? Bah j'ai rien du tout. Bon allez, on va remettre celle-là qui ressemble à rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que je peux... Bah pourquoi ça marche? Ah voilà. Non, on veut pas la conduire, on la laisse. Mais... je peux pas la mettre. Bon, j'ai l'impression qu'on peut pas racheter deux fois la même voiture, donc on va acheter celle-là maintenant que j'ai de quoi, hein, voilà. Tac. Donc...
Ça, c'est bon. Donc, on va la poser. Voilà, elle va me rapporter de l'argent parce que les gens vont payer pour regarder une voiture. C'est tout à fait normal. Payer pour regarder la voiture. Et je vais voir combien ça coûte les améliorations. Donc, la 1 là, améliorée, 2500. D'accord. Ça ferait. Ouais, ah bah, du coup, il veut pas me savoir. Ça ferait quoi si je l'améliore? Ça ferait quoi? D'accord, non, bah il veut même pas me dire ce que ça ferait si je l'améliore. Bon, c'est pas. Ah, oh, on peut changer la couleur. Ah. Ah oui, mais pas des voitures, dommage. Et au niveau du mobilier, là, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre le mur numéro 2. Mur numéro 3, et qu'on fasse un petit peu la concession pour de vrai, là, parce que pour l'instant, les voitures, n'importe qui peut venir me les voler. Oula, oula, oula. Vas-y, viens. Oh, ça devient cher, là, ça devient vite cher, hein. Les meubles. Ah bah oui, il faut quand même recevoir les gens, parce que pour l'instant, ils payent, mais. Est-ce que ça m'a augmenté le prix des. Non, non, je ne veux pas d'argent, merci, c'est bon. Ça m'a augmenté le prix des voitures ou pas? Non, 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 c'est toujours 50 en 50. À chaque voiture, c'est 50. Bon, bah. Va falloir encore rouler en ville pour attirer les gens, hein, parce que sinon, on ne gagnera pas d'argent comme ça. Hein. Bon, allez, j'ai un peu économisé. On va s'acheter une nouvelle voiture là. Alors, elle est où? Elle est où? C'est celle-ci, voilà, celle-ci. On va s'acheter celle-ci. Ah, quoique. Ah, j'ai presque. Il manque juste 1000 pour acheter la prochaine, la Luxus. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Il y a une grande différence entre les deux. Genre, celle-là, on est à 50. Ok, ah, il y a quand même. Ah, elle va plus vite quand même, elle va plus vite. On va économiser pour la plus rapide quand même. Bon, ça y est, j'ai acheté la plus rapide. Je vais la mettre dans le magasin parce qu'au lieu de 50, elle rapporte 51. Bon, ouais. C'est vrai que c'est pas énorme la différence, hein, pour. Allez, chargement de voiture, voilà, on va mettre la Luxus 350, voilà, en espérant qu'elle roule beaucoup plus vite pour plus faire les fous en ville. Vas-y, on a envie de faire les fous en ville. Le son des voitures, oh, mais c'est une. Oh, la puissance du son! Allez, vas-y, on va faire les fous, elle rapporte le max, elle roule à combien? 260? 372? Oh, le virage, le virage! Pff, ça passe, ça passe, ça passe, ouah! Cette vue qui veut pas se laisser faire. Vas-y, 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 vas-y. On va à fond, on va à fond, à fond. Presque 500. Vas-y, 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 monte en vitesse. Ah, on n'arrive pas à atteindre les 500. Hein. Ça va y arriver. À 548. Mais en fait, plus tu vas vite et plus tu rapportes. Il n'y a pas de grande ligne droite, c'est dommage. Bon, les amis, après avoir fait 3 fois le tour de la Terre, j'ai enfin réussi à farmer 100 000 dollars. Je sais plus trop où il faut que j'aille pour aller pour rentrer à la maison. Je crois que c'est là. Je crois que c'est là, hop là. Moi je retourne à la concession comme ça en mode hardcore parce que. Hop, c'est ici. Non, c'est pas ici. Si, c'est là. Hop, non, c'est pas là. C'est toujours pas là. Oh, je vais bien retrouver où c'est. Ah, c'est de l'autre côté. Je crois que c'est de l'autre côté de ça ma concession. Non, c'était juste. Allez. Ah, mais non, mais je vais y arriver, je vais y arriver. On va retourner à la maison. Vas-y, accélère, 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 accélère. Elle a du mal quand même, hein. L'accélération, elle a du mal la voiture. Allez, on y va. Retour maison, offre à main, et voilà, c'est comme ça qu'un vrai concessionnaire y fait pour garer une voiture. Déjà, il faut que je m'achète une nouvelle voiture. Non, je veux pas la conduire. Arrête, 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 arrête. Voilà. On va s'acheter une nouvelle voiture. Allez, on a 110, 108 dollars. 108 000, pardon. On va bien réussir à se dégoter une super voiture. Celle-ci. Celle-ci. Oh, elle a l'air d'aller super vite. On va la prendre tout de suite. Oh, c'est dommage, il me manque pas grand-chose. On l'achète, pas de problème. On l'achète. Allez, viens, tu vas faire partie de mon. De mon garage maintenant. Pourquoi j'arrive pas? Ah oui, c'est vrai. Alors, on va changer de voiture. On va changer la voiture 2. Voilà. Au revoir. Bah, pourquoi je l'ai pas dans ma. Je l'ai pas acheté? Bah, si, je l'ai acheté la grosse voiture. Elle est où? Genre, je peux pas la mettre? Je peux pas la mettre. Je peux pas la mettre en vente. Genre, il faut une nouvelle vitrine? Non. Ça veut pas me dire qu'il me faut une vitrine spéciale. Spéciale voiture comme ça? Ou alors il faut que ça soit ce côté-là. Attends, on va essayer. On va essayer. Recharge-moi le menu. Les voitures. Plateforme 3. Changement. Non, je peux pas la mettre. Genre, il me faut une plateforme un peu mieux. Oh, c'est dur ça. Comment je vais pouvoir l'avoir, la plateforme. La meilleure plateforme? Ok, c'est bon. J'ai réussi à changer. Il faut améliorer pour mettre classe 2. Ok. Et donc là, ok, on peut la mettre. Génial, parfait. Non, je ne veux toujours pas d'argent. Merci. Ah, elle fait bien là, elle fait bien là dans la concession là comme ça. Là. Vous voulez acheter ma super voiture? 110 000 dollars?
Pas cher du tout, c'est une affaire. Allez, moi j'ai envie, j'ai hâte d'essayer de la conduire. Puis j'ai un peu exploré la map parce que j'ai tourné en rond sur le même truc que tout à l'heure, là, depuis tout à l'heure. Mais bon, on va peut-être un petit peu. Il y a peut-être des trucs à faire hein, quelque part dans la map. Faut voir, bah oui, la conduire. Ça va être encore un bruit monstrueux. Voilà. L'avion décolle. Allez, hop. Est-ce qu'elle rapporte bien? Ah non, c'est par là, attends. Hop, jamais été trop loin sur le pont encore. J'ai envie d'explorer un peu la map. On va bien voir. Elle va nous rapporter masse d'argent. Par où on passe? Non, je me suis encore trompé de sens, c'est par là. Ah, il y a bien. Il y a des endroits que j'ai pas explorés, mais je sais plus trop où c'est. Ah. Ou alors il y a le souterrain aussi. Mais déjà, à petite vitesse, comment elle rapporte plein d'argent. Non, c'est pas là. Il y a le souterrain au pire à essayer. Hein. Oh, mais il y a toute une ville à côté en vrai. Oh, il y a un circuit de cross? Non. Sérieux. J'ai envie de... J'explore un petit peu tout, puis j'irai voir après. Hein. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est la balade. 700. 700 par 700, elle gagne. Oh, terrible. Oh, je reviens. Il y a le désert, là. Oh, délire. Mais en fait, elle est super gigantesque, la map. Ouais, vaut mieux parcourir la map avec une voiture un peu plus chère que celle de base. Hein, parce que sinon, on en a pour des plombes. Hein. Mais la vache, la map, la taille qu'elle fait. Et là... Oh, d'accord, d'accord, d'accord. On revient ici, là, dans l'espèce de souterrain. On doit passer en dessous l'eau à tous les coups. Vas-y, mais c'est super gigantesque, on se croirait dans GTA, là, avec une map complètement grande que tu peux explorer dès le début. Heureusement que le plein dure indéfiniment, parce que la vache, c'est cher, hein, quand même, la station-service. Hein. Genre, est-ce qu'on peut vraiment dépenser de l'argent dedans, vu qu'ils mettent le prix? Non? Oh non, il n'y a aucune interaction possible, on peut pas dépenser d'argent dedans. Bon, bah, tant mieux, parce que ça coûte trop cher, hein. Genre, on peut vraiment participer à une course? Délire, ça marche comment? J'ai trop envie d'essayer. Vas-y, début. Non. Vas-y, début, début. Vas-y, on est en seul tour. Genre, ah, faut attendre les 25 secondes, même s'il y a personne, ça y va. Vas-y, c'est parti. La concentration est maximale, je peux y aller quand? 3, 2, 1. C'est parti. Vas-y, on va y arriver, on va y arriver. Je suis prêt avec le frein à main. Ouah, ça dépote. Oh, mais le frein à main, il est tellement vénère sur le terrain de boue, là. Oh bah c'est clair que je vais pas faire un record de malade, hein, ça c'est sûr. Oh la caméra, comment elle prend le tarif. Vas-y, le frein à main c'est vraiment en cas de tête d'épingle, hein, ça te fait tourner à l'équerre, c'est même pas la peine. Hop là, oh ça va, je l'ai géré. Ça se gère, ça se gère. La voiture qui n'en peut plus. Et j'espère que ça fait gagner quand même de l'argent de faire le Grand Prix. 4500? Ben vas-y, faut que je retente. Faut que je retente. C'est terrible. C'est terrible, ça rapporte masse d'argent en fait. Bon allez, on s'en fiche des murs. Tout ce qui compte, c'est de mettre un maximum de voitures dans la concession. Prochain. Oh, il n'y a plus de... Oh, il me faut une prochaine. Non. Il n'y a plus de... Oh, je suis dégoûté. Il n'y a plus de plateforme. Bon, bah, on va mettre une autre voiture. Attends, la voiture la plus chère que j'ai qui reste est celle-ci. Tac, vas-y, hein, rapporte de l'argent. Il va falloir le plafond à tous les coups maintenant pour pouvoir... Oh, ça va coûter cher jusqu'à arriver au plafond. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Bon, allez, vas-y, les trottoirs, ça fait mal. Oh, ça pique, ça pique, ça pique. La porte d'entrée, on va passer au mur. 1400, ça va, ça coûte pas trop cher. 1900, 2000, ah, ça descend vite, 3000. Le mur 9, vas-y. 4900, on va faire le tour, on va faire le tour, on va avoir le plafond. Hein. 5000. Ah, j'ai plus d'argent, ça m'a mangé tout mon argent, j'y crois pas. Bon, j'ai acheté le dernier mur et je vais voir, c'est ça, maintenant j'ai l'étage 2. Donc si je mets l'étage 2, je dois avoir... Il y a un parking, sérieux? Genre, on peut mettre le parking. 65 000. Oh, c'est super cher. Donc les murs en haut, ils coûtent une blinde aussi, l'escalier, bien sûr. Et du coup, j'ai la plateforme 5, ça commence à 45 000. Oh, ça va coûter super cher la suite. Il y a intérêt que j'ai des voitures un petit peu mieux quand même. Hein. 80 000 l'ascenseur. L'ascenseur de voiture pour les monter. Je suis sûr qu'il va pas vouloir me mettre de voiture tant que j'ai pas l'ascenseur à tous les coups. L'espace café, t'es sérieux, le meuble et tout. C'est délire, mais il va y en avoir de partout. Bon, et bien écoutez les amis, on va s'arrêter là sur cet épisode de Car Dealership Tycoon. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, vous pouvez mettre un commentaire et un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye les amis.